nom 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 Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Infectionator 3 Apocalypse. Bob, ça s'appelle Infectionator. Je sais, calmez-vous, et laissez-vous manger. Oh, elle est toute mignonne, elle se fait bouffer, c'est adorable. Elle a survécu, j'ai rien à dire. C'est ça qui est bon, la cowboy girl, qui est... Quelle est là? C'est le perso qui est tiré tout droit de Digimon. Elle a survécu, c'est ça qui est bon. Dans tous les cas, vous vouliez plus d'épisodes là-dessus, alors j'ai décidé d'en faire un tout petit peu plus. Je m'étais réservé à 3, mais apparemment, tout le monde est là. Oh, Utsukushi, j'avais complètement oublié ça. Changer de journaliste, s'il vous plaît. Alors, on a vu des tas de journalistes au ralenti. Oui, on avait la Lara Croft. Sergent Alicia Croft. Ça, c'est toujours agréable. Ou Monica Cafan, c'est vrai qu'elle a plus de seins comme ça, quoique comme ça elle est bien stack, hein. on est bien. Donc on a Lara Croft, et le niveau de panique augmente encore un tout petit peu. Encore, bon bah, plus de panique, il se passe des choses. La FIZ activée, la force d'intervention zombie est activée. Pause, voilà, calmez-vous bien. Voyons voir, reprenons donc nos affaires. Nous étions donc dans le labo. Et on voudrait essayer d'augmenter nos zombies level 5. Donc il nous faut encore 15 petits zombies comme ça. Oh non, pas 15, 13 petits zombies comme ça. Avant de pouvoir débloquer plus de zombies. On en a débloqué beaucoup, hein. Beaucoup et de tout type. C'est quand même assez mignon et c'est du grand n'importe quoi. Surtout celui-là, le coin collector, on n'avait pas testé la dernière fois. Quoi qu'on a les gomblis. Enfin, les gobelins. On a des gobelins. Les gobelins qui sont assez OP. Toxiques. Donc ça les empoisonne. Elle leur vomit dessus. Le fait qu'elle les vomisse, c'est intéressant. Le fait qu'elle vomisse comme ça, c'est intéressant. On va peut-être en prendre un peu. Un piouker. On va l'échanger avec le coin collector. Et après, on verra bien par rapport aux mobs suivants qui m'ont l'air relativement pété. Alors, du coup, il faut qu'on affronte James Bond. Et en même temps, il faut qu'on détruise absolument Helsinki ainsi que le labo. Parce que ce labo est un vrai problème. C'est le seul labo qui est là. Mais le fait de vaincre James Bond, ça pourrait nous donner un avantage non négligeable. On va faire peut-être une mission histoire de se chauffer. Juste d'être en confiance, en fait, pour se mettre bien. Voilà. Tuer 15 humains, ça devrait être possible. Alors attention, par contre, il y a les Space Marines qui sont plutôt bien efficaces et bien armés. Et ça va être plutôt dangereux si on les infecte pas intelligemment. Du coup, Sbam ! Voilà, un peu de lotion. Histoire de poser des zombies qui vomissent. Voilà, un Dracula, un Freddy Krueger. On ouvre la porte et là, c'est la merde. On met des gobelins sur le terrain. Un autre vomisseur, vas-y, vomis là-dessus. Ça les mange, ça infecte, ça a l'air de bien se passer. C'est bon, on les bouffe. Freddy Krueger fait le taf. Ouh là là. Alors on les bouffe, mais bam, petite grenade quand même. Deux grenades, voilà, parce qu'il faut quand même qu'il meure. Parce qu'il balèze lui. Heureusement, on a un vampire, il les mange. Allez, mange-le, voilà, c'est bien. Nickel. Eux, ils sont toujours pas infectés. Boum! Bon, là, il y en a un, du coup. Voilà, il fait le taf. Voilà, très bien. Tous les humains ont été tués. Bien. Petit échauffement. On n'est pas forcément le plus effectif, mais en tout cas, on est présent sur les lolos de la lolotte. Voyons voir. Oh là 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 là, un chubby et 3 commandes. C'est cool. On a gagné quelques zombards. Ça fait plaisir. Créer 30 zombies, 33 zombies, tuer 150 humains et 7 zombies chubby. Ça va être problématique parce qu'il faut faire apparaître aussi masse de zombards. Et c'est un problème. Il disait créer des zombies ou les faire apparaître. Je sais plus, je crois que c'est créer. Si c'est créer, c'est la merde. Putain, on peut pas avoir mes... Non, attendez. On peut avoir les objectifs, les missions. On peut avoir les missions, on ne sait pas. Combien j'ai d'ADN? J'ai... Excusez-moi, 11 ADN.
11 ADN et ça coûte 17. Très bien, pour l'instant je vais rien pouvoir faire. On va juste en profiter pour acheter peut-être quelques ressources supplémentaires. Voilà, quelques grenades, on a du jus, la bombe à jus, le hamburger peut faire le taf. Et les mines, ouais les mines. Et les mines. Ok, très bien. Niveau de panique mondiale est total, le labo est là, l'infection est présente, le remède aussi. Il faut qu'on infecte plus de zones afin d'être sûr des régions, hein, de manière à foutre un peu la merde un peu partout. De manière à être sûr qu'ils nous créent pas des comment ça s'appelle, des laboratoires ces enfoirés. Hamburger ! Où c'est Hamburger qui fait du massacre ? Oh la vache. Effectivement, bon. Bam ! Un zombie. Un Kruger. Une double infection qui touche. Et là, normalement, avec le Kruger et les zombies, on devrait pouvoir les overwhelm. Voilà, avec la potion. La potion à conversion. Putain, ils ont des lasers et tout. Oh ! On lâche des gobelins, on lâche des zombards, on essaie de détourner leur attention. Ah, obligé de claquer masse de ressources. Oh là 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 là. Oh la vache. Le hamburger qui convertit. Ah non. Crève. Ah, pour l'amour de Dieu. Je suis dégoûté. Ce Space Marine qui est passé à travers, faire apparaître 7 zombies de chubby. Tout va bien, donc c'est les faire apparaître, donc on va pouvoir passer ça. Créer 30 zombies, par contre, ça va être un problème. Enfin, ça va être une quête qui va rester super longtemps et qui va pas nous faire gagner plus d'argent, donc c'est un souci. J'aurais pas dû mettre autant de chance dans l'attaque, je vais peut-être augmenter les chances d'infection. Yes. Plein d'argent dans les chances d'infection, on va essayer de monter jusqu'à 60%, ce serait idéal. On va racheter un peu de matériel quand même parce qu'on est un peu à la pauvreté. Voilà. Ça coûte cher mais ça s'investit, c'est utile. Du coup c'est là que les grenades seraient rentrées utiles. On va améliorer les zombies normaux. Pourquoi ? Parce que c'est principalement eux qui font notre beurre. Voilà, ils sont level max, excellent. Voilà, ça c'est les vrais zombards, ça c'est Kali. On va pouvoir invoquer les Chubby, il va falloir invoquer d'autres zombards. Le Doom, le Doom zombie qui fait apparaître plein d'autres zombies et tout, il a l'air sympathique. On va le sortir, tiens, on va le sortir. Ah oui, c'est vrai que j'ai les momies. Il maudit les autres à proximité. Et lui, oui, c'est vrai que lui, il se téléporte, il fait tout et n'importe quoi. Donc zombie, Doom, et puis voilà, on va se créer une petite armée personnelle. Toujours avec le Freddy Krueger, parce que le Freddy Krueger accélère les autres zombies. Et vous avez vu à quel point ça peut rendre la chose létale à une vitesse absolument folle. Voilà, j'aimerais bien infecter toutes les régions du monde au moins une fois. On m'a dit, Bob, si tu fais ça, t'as plus de zombies qui apparaissent durant le temps qui s'écoule. Donc ça me paraît être un bon plan. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut ouvrir les portes préalablement. Et commencer dans un endroit qui serait discret. Blam, genre là, tu vois. Voilà, avec le zombie Kruger, le zombie momie, les gros. Voilà, là où il y en a plein. Et là, normalement, on devrait les submerger. On devrait les submerger. Là, j'ai claqué pas mal de ressources. Même s'ils ont des gens à laser, même s'ils sont supposément forts. Oh la vache, mais si, ils sont ultra forts, en fait. Oh, du brise-médier de blier. Oh la vache, ils bliatent tellement sévère, ces gens. On a gagné. Ça compte. Ah, ça compte. Pfff. Oh là 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 là, il va falloir investir à donf dans les grenades, braves gens. Parfois, ça fait trop de fromage. Des émeutes éclatent, c'est normal. Voyons voir. Pec, pec, pec. Un zombie, un gros et un peu d'argent. Ok, pourquoi pas. Moi, j'aime bien gagner des zombies. Panique. Le niveau de panique mondiale qui augmente. Ça va être compliqué, hein. 7 zombies chubby, 300 humains. Mais au moins, voilà, level up. Vous voyez, le fait que ça level up, voilà, et que ça s'infecte un peu, ça prouve que, voilà, la panique est présente. Vous voyez ça ? Ouais, ça, t'as un niveau 2 de panique. Là, un niveau 1. On va faire une petite infection rapide. Ah. Et t'as toujours les forces ultra du SWAT qui débarquent, en fait. Et c'est la grosse merdasse. Donc, ce qu'on va faire, c'est les infecter dans un sens opposé aux autres. Voilà. Ça arrive. Voilà, ça trois connards.
voilà, les mines. Ok, il reste plus que des gens normaux et là c'est terminé normalement. C'est terminé. C'est terminé, il s'est bouffé le dernier sandwich. Excellent. Ouh. Et ben compliqué hein. Compliqué hein. Il faut réussir à... Voilà, super. Ça crée de la panique. Perfect. Zip, on ouvre. Oh putain, que... Ouh, pas mal de fric là. 1000$. 1100$. J'ai tout gagné. Excellent, et on gagne de l'argent. Parfait. 135 zombies. Eh ben putain. Tuer 300 humains, créer 30 zombies. 100 humains dans la jaune neige. Oh, un Yeti. Bon, c'est pas vraiment un zombie, hein, mais il fait tout de même peur, pas vrai? Pas vrai. On a gagné un Yeti, les enfants. On a tout gagné. Voyons voir. Zombie spécial. Où est-il? Là. Tuer de vie. C'est pas vraiment un zombie. Qu'est-ce qu'il fait? Et il n'infecte pas. Il fait juste beaucoup de dégâts. Il est très, très, très musqué. Du coup, on va le mettre. Hein. On va bien voir ce qu'il donne. Le Doom, je suis pas convaincu. Quoique résistance aux dégâts, si, il est bien résistant. C'est juste que la momie qui ralentit, et lui... Peut-être plutôt que la momie qui ralentit, même si ça ramène plus de gens. J'aime bien le Kim Jong, j'aime bien Jason. Hein. Jason, qui permet d'augmenter la puissance d'attaque de tes zombards. C'est quand même assez goldé. Il a 0% de chance d'infection, lui, par contre. Donc ça, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. Alors que lui, il a 80% de chance. Ouais, on va reprendre l'équipe, la Dream Team, brave genre, la Dream Team. Même si les militaires comme ça, ils sont pas mal. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils meurent, ils suicident. Donc du coup... C'est intéressant. Ok, on va essayer d'infecter cette région d'un seul coup. C'est-à-dire, on va essayer de faire un perfect. Juste avant, est-ce qu'on peut acheter du matériel? J'ai de soutien, voilà. Et on va prendre des grenades, ce coup-ci. Parce que les grenades, voilà, ça fait le taf. La bombe à infection, c'est bien, mais ça coûte cher pour ce que c'est. Les burgers, il faut les utiliser de manière libérale. C'est-à-dire, faut sentir libre, tu vois. Et là, on va foutre en l'air cette région. Tuer 15 humains, très bien. On peut commencer ici dans cette petite salle fermée et ensuite les overrun à donf. C'est pas mal, on va vous laisser rentrer. Il faudrait au moins 3 personnes. Allez, pénétrer. Non, sort pas. Arrête de prendre des photos avec un stick à selfie. Oh, il m'énerve. Bon, lâche le Yeti. Le Yeti les démonte. Jason, Freddy, Dracula. La porte est ouverte. C'est parti, on détourne leur attention ailleurs. On met un burger ici pour être sûr que voilà, c'est infecté. Et là, normalement, le ménage est fait là. Avec un Freddy Krueger qui fait que les zombies se téléportent. Bam, une grenade. Bam, 2 grenades. Ah, j'ai pas réussi à tous les avoir. C'est compliqué, hein. Ça commence à devenir complexe, brave gens. Ça commence à devenir vraiment complexe. Ah, et là, par contre, ça crée plein de zombies partout. La panique est élevée. Encore plus de panique. Panique. Très bien. Très bien, très bien. Cette zone s'infecte. Voilà, parce qu'avec le temps qui passe, l'infection augmente en fait, brave gens. Ce qui fait que du coup, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Note à soi-même, nucléariser les... Il n'y a pas de salle fermée ici. Compliqué. Bam. On fait avec ça. Les TV Troopers arrivent, même s'ils tirent fort. Il faut mourir. C'est bon, ils sont morts. Victoire. Bon, on arrive quand même à maîtriser les petites salles comme ça, ça rassure. On était pas bien là, hein. Oh putain, ce petit short, j'avais pas remarqué. Pouh, ça laisse rêveur. Les mecs, ils ont mis la tache de pixels qui fait plaisir. Voyons voir. Une brute. Bon bah on a rien gagné quoi. En même temps bon, taille petit moyen, on a quand même gagné une petite zone. Ça fait plaisir, ce qui fait que la zone voilà est jaune comme ça. Excellent. Je continue d'infecter toutes les régions du monde, braves gens en fait, avant de me taper James Bond, parce que justement ça permet de garder le contrôle sur ce qui se passe. 300 humains, 135 zombies, créer 30 zombies, putain. Complexe. Essayer de détourner leur attention. Voilà, on a converti tout le monde. On espère que ce sera suffisant en tout cas pour les submerger. Submergez-les, je vous en prie. Allez, ouais! On les a submergés! Victoire! Dieu merci, nous avions un...
un vampire, je m'en fous, c'est moi quel point, impeccable, qui était au milieu du terrain et qui a réussi à les bouffer. Bob, tu hurles vachement moi dans cette vidéo. Eh ben déjà d'une, je suis détendu, je joue avec vous, tu vois, on est bien, et puis je... Enlève ta main, pour voir. Ouais, bon. Je suis détendu, et de deux, parce que je tourne cette vidéo à littéralement 2h du mat, juste après être descendu de l'avion qui m'a ramené de l'event Kuduki, qui se passait à Paris, dans lequel je commentais du Street Fighter, excusez-moi, du Dragon Ball FighterZ, et c'était formidable. Ah bon, après par contre... Après par contre on est bien, je vais changer le Yeti. Le Yeti est bien, mais il manque un petit peu de... Voilà, que Kim Jong-un arrive à apporter. Il y a des trucs absolument formidables là. J'ai 14 ADN, il m'en faut 17. J'ai assez d'argent pour améliorer ça. Chance d'infection, peut-être level 10. Hein, c'est intéressant ça. Ça coûte cher. Chance de mutation, 20%, c'est très bien ça aussi. Résistance aux dégâts, ça pourrait être bien, mais c'est tellement... Ça commence à devenir annexe en fait. L'important c'est de convertir les gens en fait. C'est que tous ceux que tu touches se convertissent. Voilà, donc j'ai touché. Voilà, Brisbane. Ah, il lui en faut un peu plus pour être plus en panique quand même. D'accord. Ouais, il en faut plus que ça. Il faut un autre perfect. Bah écoute, allons-y. Un petit perfect. Allons-y, faisons-nous plaisir. Oh, ce petit centre commercial du plaisir. Que se passerait-il si subitement un hamburger venait, ou même du liquide, venez foutre la merde avec notamment Dracula, Freddy qui améliore tout le monde, Jason qui augmente la force de tout le monde et Kim Jong-un dans le terrain. Voilà, même s'il y a les Z-Troopers, ah j'ai essayé de les convertir mais ça ne marche pas. Donc là il va falloir y aller, il va falloir les tuer les gens. Oh la vache. Oh c'est bon, Dieu merci. Phew. Dieu merci, tout le monde est mort. L'antiphrase, tu sais, la phrase qui est antinomique. Ouf, il n'y a pas eu de survivant, heureusement. Ça leur apprendra à dire chocolatine, tiens. Triggered, exactement. Très bien, 300 humains, 150 zombies. Créer des zombies, par contre, je sais pas si j'en ai. Loi martiale a été déclarée dans cette région, en Europe. L'armée a été déployée. Oh putain, il y a Donald Trump sur le terrain. Panique! Que se passe-t-il? Et des nouveaux laboratoires sont mis en place. Et merde. Bon, c'est dans une région qui est à moitié sinistrée, dont on pourra s'occuper, je pense. Il va falloir s'occuper de Stockholm, cependant. Est-ce qu'on a l'occasion d'essayer de buter James Bond? Compliqué, hein. Compliqué et complexe. On en a 100. Il va falloir faire péter le level up pour certains mobs, notamment les mobs super élevés. Ou alors on peut commencer à créer d'autres zombards et à s'en servir aussi. Hein. Triggers sont plutôt pas mal. Vampire. On peut en créer quelques-uns. Berserker, plus vous les frappez, plus ils s'énervent, plus ils se renforcent, mais ils ne convertissent pas. Eux par contre, on va s'en faire une petite armée. Voilà, une petite armée d'ailleurs qu'on va équiper. On va voir si on peut pas faire évoluer bien sûr notre Freddy Krueger. Level 75, quel dommage. Ce Jason level 1. En même temps, c'est sa durée de vie hein, qui augmente, derrière sa puissance change pas. Hein. Enfin, sa puissance change, mais elle est pas si importante que ça. Ce qu'il nous faut, c'est des mobs capables de changer... capables de changer la donne, en fait. De répandre l'infection. Et le vomisseur... Vomisseur, ouais, hein. Je dis ouais, hein. Ça peut faire changer la donne. C'est plutôt pas mal. L'exploseur, le vampire, l'améliorateur de force et l'améliorateur de vitesse. Peut-être même un Kim Jong. Un Kim Jong, c'est pas mal parce que ça fout la merde. Plutôt qu'un Dracula. Quoique le Dracula, 88% de chance d'infection. Il est rapide, il se téléporte. Ouais, il faudrait l'améliorer. On va prendre un Kim Jong. On y croit. On va se battre. James Bond, les mecs. C'est parti. Où est-il? Pour la reine et pour la patrie et pour des gadgets vraiment cool. Eh ben on va voir un petit peu si tu vaux le coup d'OSS 117. Il faudrait réussir le rushdown, mais ça va être compliqué. Je vais m'accorder ce petit intérieur histoire de commencer un steamrolling. Et on va voir un peu comment on va partir de là. On va commencer avec un burger. Paf, voilà, un Freddy, un Jason,
un Kim, un suicidaire, et on ouvre les portes. Et on espère que voilà, il va y avoir un événement qui va se faire et qu'il y a une conversion. Voilà, il y a toujours Freddy Krueger là-bas. J'entends les ETV, ils sont où les Laser Bob? Ah, ils sont en train de mourir, très bien, ça se passe plutôt bien. Il faut ouvrir toutes les portes, bien sûr. Petite bombe à infection, voilà, 4 zombies supplémentaires, le boss est toujours en bas par contre. Voilà, il va se tuer, bam, il explose. Ah, il est avec des gonzesses! Oh la vache! Oh, ce boss de la pimpiterie! Bon, avec de l'acide, ça devrait bien se passer. Il reste encore pas mal de zombards. Double conversion, celle-là, ça la touche, c'est bien. Ça les met dans des situations un peu opposées. Alors, on l'a converti aussi. On est converti as well. Putain, il n'y aura pas assez de grenades, il n'y aura pas assez de zombies. Malheureusement, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, ce sera malheureusement insuffisant. Le rushdown n'aura pas suffi. C'est un échec. Ouais, tous mes zombies sont morts. Quel dommage. On n'aura pas réussi à l'avoir. La cité a survécu, ouais, tout à fait. Alors, voyons voir. Réfléchissons. Comment pourrait-on améliorer notre sujet? Les zombies explosifs n'ont pas été surutiles. Les zombies démons pourraient peut-être faire le taf. Peut-être zombie Dracula. Hein. C'est vraiment un combo qui rend bien. Hein. Mais pour ça, il faut vraiment sursaucer le boss, quoi. Sinon ça passe pas, hein. Sinon ça passe pas. On peut réessayer derrière. Ah mais non, j'ai pas acheté de matériel. Bon bah ça va vraiment être un run, mais pour le plaisir en fait. Donc là j'ouvre d'avance toutes les portes. Lui il est en haut, tu vois. Voilà. Et là, à partir de là, on espère qu'il y a des choses qui se passent. Ah, il est explosé, mais il a perdu la moitié de sa vie, quand même. Voilà, il y a des petites conversions qui se font. C'est bien parce que du coup, il y a des mutations qui ont lieu. Voilà. Et ça se fait à partir de là, tu vois. Ça se fait à partir de là, ça se travaille à partir de là. Il y a un biker dans le terrain. J'ai pas dit mon dernier mot, il reste encore là, il reste encore des sandwichs, il reste encore des gens. Il y a plus d'explosions que ça. Mais comment j'avais un stylo d'espion et tout. Oh, et il est mort. Du coup ça s'est plutôt bien passé, il reste lui. Ouais, lui, c'est le mal absolu. Je peux se faire avoir par ce sandwich là. Fondre un peu ou il veut pas fondre. Très bien, aucune chance que je bute tout le monde cependant. Je pense que à ce niveau là c'est mort parce que j'ai plus de matériel et il reste encore ces deux connards en vie. Ah, quel dommage, on aurait pu avoir un perfect. Oh well, c'est pas très grave, on a quand même réussi à voir James Bond. Il est mort, ce sac, ça lui apprendra. Non mais les zombies ne trouveront jamais leur route, c'est compliqué hein, de faire en sorte que tout le monde meure. Surtout sur une si grande map. Mais après tout, ce n'était pas l'objectif. L'objectif n'était pas un perfect. C'était de battre James Bond. Et là, elle est en panique, tu vois. James Bond est mort. Quoi qu'elle a l'air vachement souriante, hein. Ces films étaient mauvais de toute façon. La journaliste biaisée. 75 non-civils et 7 zombies Firespitter. Ah oui, d'accord, vous êtes comme ça. 7 zombies Firespitter. Ouh, sergent Steve Evans. Allez, un peu de eye candy pour les dames. Pour les dames qui nous regardent, ça fait plaisir. Et du coup, ça compte ou... Ah, ça compte pas! Il faut que tout le monde crève! Ah, oh, je suis deg! Bon. On va y mettre un budget. Un budget lourd, brave Jean. Un budget lourd. Level 16, durée de vie, résistance aux dégâts, attaque x 2,1, chance de mutation,
chances d'infection encore une fois pour être sûr de corrompre toutes ces saletés. Mais là, comment on va faire? Ah bah super, 30 zombies, enfin. Faire apparaître 7 zombies Fire Spitter. J'en ai 7. Je vais remplacer... Je vais remplacer Kim Jong et je vais garder Dracula, parce que Dracula est quand même très pété, hein, faut le reconnaître. Voilà, avec 7 zombies Fire Spitter. Et du coup, James Bond est toujours là, mais il y a toujours ce Helsinki avec ce laboratoire qui me dérange. On va peut-être essayer d'en finir d'abord avec cette zone. Quitte à pas faire de critique, tu vois. Parce que sinon, on n'y arrivera pas, ça risque d'être complexe. Leur attention. Voilà. Ça, c'était pour détourner leur attention. Et là, par contre, ça va se faire. Voilà, très bien. Et là, par contre, voilà, ça se fait très, très vite. Voilà, l'infection qui se répand. Et là, par contre, ça va vite. Là, même s'il y a Mister Laser, Mister Cocktail. Voilà, boum, la petite mine qui a fait grave le ménage. Qui a viré tous les mecs en costume. Là, il y a Dracula qui se promène, qui les démonte. Super, ils sont tous bouffés. Il y a que lui là qui a survécu pour l'instant. Voilà, c'est bon, on l'a trouvé. Il était en train de choisir son Red Bull. Et ben, c'est devenu un zombie. Voilà qui lui apprendra. Impeccable. Mec, qui était quel lait de soja je vais acheter aujourd'hui. Il s'est fait bouffer. Du coup, la panique augmente. Encore deux perfects et cette zone sera entièrement détruite. Ce qui, je vous le cache pas, m'arrange. Cinq grenades. Ça peut se faire, madame le juge. Ça peut se faire. 5 grenades. Ouais. Tac, 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 tac. Ok. Est-ce qu'on a une option? Excusez-moi. Menu option. Badabada, effet 100. Résolution, volume, bruit de bruitage. Retourne, ne fasse pas le stat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous faire revenir au labo autorisé? Affichage automatique du labo. Vous savez pourquoi je vais faire ça? Je fais ça en fait, brave Jean, parce que quand je fais ça, ça me permet de mettre la pause instantanément et donc de ne plus avancer avec le temps et donc le niveau de panique mondiale. Parce que sinon, je vais me faire supplanter. Vous voyez que le remède est déjà à 50% et ça me pose beaucoup de problèmes, je vais être sincère. Donc du coup, on va saucer cette zone et ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Comment on procède? Là, ouais, c'est là. Par contre, ça va être un problème. Cet immeuble va être un problème. Et celui-là aussi. Quoi qu'il n'y a pas beaucoup de gens, là. Il n'y a pas beaucoup de gens et on pourrait les submerger assez vite. Là, ils sont 4. On invoque ça, mais c'est pour les occuper. Ici, on invoque Dracula. Avec Jason. Voilà, et Freddy. La porte est ouverte et là par contre c'est là que la situation part en sucette en fait. Voilà. Même s'ils font le ménage avec laser, il y a des mutants. Ça y est. Ça se passe. J'adore ne pas être morte. Bon bah, il reste elle mais on va attendre poliment, patiemment. L'argent lui aussi il reste lui, ça reste un problème. Voilà, très bien, eux ils se font bouffer, tout le monde est couverté. Waouh, j'ai vu l'infirmière qui est devenue une espèce de bodybuildrice. Et tous les humains ont été tués. Ben voilà, tout ceci c'est très bien fait. Tout ceci c'est très très bien fait. J'ai pas balancé de Fire Spitter par contre, faut que j'en balance plus, hein. Mais c'est une victoire totale. Et le niveau de panique augmente. Mais j'en ai rien à péter. 3 chubby. L'armée est déployée dans la région. Très bien, allez-y, paniquez les enfants, paniquez. Excellent, je n'ai pas utilisé les grenades non plus. Argh. Tuer 20 humains en utilisant des grenades. Bon, bah j'ai une nouvelle... une nouvelle raison d'utiliser les grenades, brave Jean. C'est formidable. Putain, 72% de chance d'infection. Oh ouais, mais la vitesse, c'est plutôt pas mal. Hein. Quoique ça me coûte 32 000, ça coûte vachement moins cher. Hein. 32 000, durée de vie, on s'en fout. Résistance aux dégâts, ça pourrait être sympa, mais bon... chance de mutation, je le garde à 20%, on est plutôt bien. Petite résistance aux dégâts, mais j'ai envie de dire ça fait pas de grande différence vu qu'ils se font démonter. On va mettre ça voilà, dans les chances de mutation. Très bien. Objet de soutien, voyons voir. On a 4 grenades sur 5, je vais en acheter une de plus, comme ça la mission sera là, ce sera rentable. Et je vais prendre une popote, voilà, très bien.
zombies spéciales, est-ce qu'on peut les améliorer? Est-ce qu'on a assez pour améliorer Dracula? Oui. Ouh, excellent. Dracula fait le taf, hein. Faut savoir qu'il fait vraiment le taf. Ok, donc là on va détruire ce laboratoire à Helsinki une fois pour toutes. Ça lui apprendra, tiens. Il nous faut un perfect, même map. C'est littéralement la même map. Bon, ça a le mérite d'être simple. Je crée un fire splitter. Je crée des fire splitter. Et ça c'est vraiment pour mettre le merdier. Voilà. Et là voilà. Là par contre il commence à se faire submerger. Freddy Krueger qui accélère tout le monde, l'infection est trop grande. Tout le monde se fait bouffer. Par contre Freddy n'est plus avec la masse des gens là et ça m'inquiète. Parce que du coup ils se font démonter. Voilà, tout le monde est infecté là par contre il va se faire submerger. Ça se voit. Voilà, petite infection planétaire. Il faut qu'il meure lui par contre. C'est bon, hein, Dieu merci. Dieu merci. Ce gars est mort. Lui il est vénère. Oh là là, il est vénère à un point. On ne sait même plus ce que ça veut dire. Ah, il faut que je tue des humains avec des grenades. C'est vrai, j'avais oublié. Les grenades, c'est quand même délicieux. Tous les humains ont été tués. Ah merde. Bon bah, pas assez de grenades, pas assez d'humains. Boum. Level up. Excellent. Perfect. Voilà. Tac, 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 tac. Vampire x3. Ça, c'est gratuit. James Bond, comment fait-il pour avoir une telle chevelure? Bah, comment a-t-il fait pour survivre à l'infection, surtout? Il est fort, ce con, hein. Il est fort. Donc, il faut encore un fire splitter, des grenades et des grenades. Ok, très bien. Hop, on revient. Et direct, paf, on met la pause. Voilà. Avant qu'il se passe plus de choses. Avant que ce soit plus la panique, même si l'infection se spread un petit peu. Parce que là, ils sont trop avancés. Stockholm, objectif principal, tuez-les tous. J'ai envie de dire paramètres acceptables. Mais ça va bien se passer. Voilà qui devrait régler une bonne fois pour toutes le problème de ce... Oh putain! Il y a plus de militaires qu'il y a de civils quand même. La bonne solution et la bonne méthode serait d'enfermer le plus possible de civils ici. Si vous voulez bien rentrer messieurs, oui voilà, bonjour. Une, deux, trois personnes, ce serait pas mal. Ah, bon petit début là. Voilà, c'est bien. Avec ça, on va pouvoir les faire commencer sec, regarde. Paf. Voilà. Et paf. Et paf. Tu crées un fire splitter ailleurs, histoire de changer leur point de vue, voilà. Et là, boum. Voilà. La bombe. Et voilà, regardez ça. Là, ça se répand, là on aime. Le liquide en plein milieu de ces enfoirés, même s'ils nous démontent, c'est pas grave, ils prennent le liquide, ils bouffent. Boum, la grenade. Il y a encore beaucoup trop d'humains ici. On se cale bien. Ouais, bam, là il y en a deux. Voilà, le sandwich, ça bute tout le monde. Il reste quelques humains mais qui vont se faire manger, voilà. Mes zombies vont plus vite que les civils maintenant. Donc ça change tout. Comment ça il reste un humain? Il en reste 3 ou 4 là. Voilà, trouvez-les. Non, s'il vous plaît, trouvez-les. Il les trouve pas. Bon bah écoute. Ah voilà, quand même. Ah ouais, voilà. Il fallait que j'utilise une grenade en plus. C'est bon, normalement l'objectif est atteint. Ouh, destroyed. Oh là 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 là, c'est ce qu'a pensé ta femme hier soir. Pec, 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 pec. Ben voilà. Région détruite. Le gouvernement centralise le merdier, la panique est totale et absolue. L'argent rentre. Oh là 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 là. 40 zombies sur une carte et utiliser 5000. Excellent. Excellent, excellent. Donc on peut rajouter, changer donc ce hamburger à infection pour des mines. Et même acheter une mine. Et racheter quelques grenades. Voilà. Phew. Ah. Petite progression du remède qui diminue, ça fait plaisir. Et là, ce coup-ci, on y croit, on a James Bond. On le tient, cet enfoiré. Pour la reine. Oui, c'est ça, pour la reine, enfoiré. Tu as un peu pour la reine. Je t'en foutrais, moi, pour la reine. Il faut qu'on commence fort. Non, là, il y a une super James Girl. Il y a une James Bond Girl.
Il me faudrait plus de gens là. Non, tu sors pas. Bon, les civils sont armés quand même, hein, donc ça déconne zéro. Mais tu veux bien rentrer, madame? Madame, vous voulez rentrer, madame? S'il vous plaît, madame. Madame? Si. Non, bon, ils veulent pas rentrer. Très bien. Bon, ils veulent même sortir. Ok, très bien. Donc, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Peut-être cette place centrale là. Il y a quand même beaucoup de militaires. Bon, déjà, ouvrons toutes les portes. Afin d'être sûr que voilà, il n'y ait pas d'échappatoire pour eux. À part pour la pièce centrale. Pièce centrale qui pourrait être un bon point de départ hein, si on fait ça bien. Genre avec un petit liquide comme ça par exemple. Voilà. Voilà, vers le haut. Et à partir de là. Voilà. À partir de là, voilà. Où sont les lasermen? Voilà, les hommes lasers sont quasiment morts. La petite bombe à infection supplémentaire. Et double infection. Ah, ça passera pas. Hein. Ça passera pas. Hein. Complexe, hein. Complexe, complet. Est-ce qu'on peut abandonner? Ouais, backdash. Ouais, parce que là, tous les zombies sont tués. On est clairement pas dans un état de victoire, si vous voulez. City survived. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Il va falloir qu'on change notre stratégie. Dracula est efficace, mais moins que je le pensais. Je pense quand même que les bombardiers sont quand même super sympas. Parce que le fait qu'ils explosent et qu'ils infectent les autres, ça peut être complètement change la donne. Peut-être des zombies avec plus... Moi, je préfère surcharger les ennemis avec des nombres, en fait. Les surcharger par le nombre, plutôt que de tenter... de les bourrer... Putain, ils augmentent le truc, là, aussi. Oh la vache. 1, 2, 3 niveaux, peut-être 4... Ouais, donc au prochain niveau, on pourra saucer le Guatemala, je pense. Ça pourrait être cool. Par contre, il faut qu'on se chauffe, qu'on se sauce cet enfoiré qui s'acharne, qui me fait le... qui a un malin plaisir de survivre, en fait, à tout ce que je lui balance. Réfléchissons. Pour la reine, c'est ça. Pour la reine. Voilà, ça déjà, c'est fermé, c'est un bon point de départ. On ouvre tout. On ouvre tout afin de justement... peut-être que de ne pas tout ouvrir, de compartimenter en fait. Les infections, ça pourrait être la solution salvatrice quelque part. Et quelque part, c'est problématique. Ce qu'on va faire, c'est pas utiliser de zombies étranges et bizarres. On va utiliser une quantité... libre de zombards. En infectant bien tout le monde, voilà. Il n'y a pas un zombie ici que quand il va mourir, il va exploser et convertir les autres. Non, pas du tout. Voilà. Mettre de l'acide un peu partout. Là, on va mettre un hamburger. On va mettre un autre hamburger, juste pour le... Voilà, il explose, il infecte tout le monde ou pas. Zombard. Et tous ces gens sont encore en vie. Ils se font même pas avoir par les sandwichs. Les mines leur font un peu de dégâts. Même passe autour, ok. Elle est morte, lui aussi. Il reste encore quelques zombies, hein. Il reste encore quelques zombies, mais mangez-le. Non, mange-le peut-être. Peut-être. D'accord, bah bug. Bug du jeu. Petit bug du jeu. Et malheureusement, il vient se suicider sur la mine. Ah, on était à 5 personnes. Hein. On y était presque. On balance nos ressources sur eux, mais ça ne change rien.
ça ne change rien. Peut-être qu'il va falloir changer de zombies spéciaux. Peut-être zombies... Ouais, j'aime bien le Freddy parce que le fait de pouvoir les rush down, c'est plutôt cool. Ou ceux qui explosent, mais ça les infecte pas tant que ça. On va tenter de balancer du gros. Peut-être de balancer un Yeti, par exemple. Voilà. Un gros Yeti, un gros comme ça. Le Kruger, il est essentiel. Et on va laisser le Ramsès, histoire de les ralentir, eux, autour. Histoire de voir comment ça se passe derrière. Est-ce qu'on peut augmenter ce démon ? Très bien. On augmente le démon, on augmente sa qualité. On augmente le Ramsès. Voilà, très bien. Très bien, très bien, très bien. Du coup, là, tel qu'on est, on peut augmenter la qualité de nos mobs avec une résistance aux dégâts améliorée. Pourquoi pas, ça ne coûte pas tant cher. Chance de mutation, ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Mes chances d'infection aussi, mais ils sont déjà très élevés. Les attaques, de toute façon, ils ont déjà pas mal de vie. Ça change pas grand-chose, quoique si on va augmenter l'attaque un peu, voire beaucoup. De résistance aux dégâts, mais vraiment, c'est juste... C'est vraiment des gestes de désespoir de ma part. Voilà, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, et on va tenter une dernière fois de se saucer James Bond. Hein. Mais James Bond, quoi! Ouh, James Bond! Pour la reine, mais quel enfoiré, quoi! Alors, réfléchissons. Réfléchissons, réfléchissons. C'est pas évident, hein. Peut-être on va compartimenter. Alors on va pas compartimenter ça. Quoique là, si on peut compartimenter, parce qu'après on peut faire toute la ligne. Toute la ligne, ça nous donnerait certainement un avantage sur le long terme. Un hamburger là. Voilà, un hamburger, ça mute. Ça va bouffer là-dedans. Voilà, et eux ils vont aller vachement plus vite. Ok, très bien. Et là il y a un rush. Intérieur, je fous la merde afin de détourner quand même leur attention et leur force énergétique. Voilà. Et il se passe des choses là au centre. Le Doom Démon est instantanément mort. L'acide a lieu. Ça suffira pas. Ah, le boss, putain, le boss qui a fait tout le travail. Reste des zombies, mais ça sert à rien. Peut-être un liquide. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Backdash, backdash. On se refait un plan. On se refait un plan, on se refait un plan. Un plan solide. Un plan solide, un plan solide. Avec les vrais zombies, les bons zombies. Réfléchis. Qu'est-ce qui marche? Les bikers, ça invoque d'autres nouveaux zombies. Ça peut être cool parce que c'est 9 zombies en plus, mais ils vont se faire buter. Ils vont se faire buter comme de la grosse merde. Quoique. Est-ce qu'on a mieux qu'un biker? Oui, on a le démon. Après, le biker, il y en a plus. Donc avec de la chance, ça peut bien se passer aussi. Ensuite, ce Yeti a été d'une inutilité absolue. Ce Ramsès, je ne l'ai même pas invoqué, c'était une erreur de ma part. Ce Jason me paraît essentiel parce qu'il permet de maintenir justement le niveau de force nécessaire pour faire des dégâts en fait. Je les améliore un peu. Et Trigger, est-ce qu'un Trigger ça vaudrait le coup ? En même temps, un trigger, ça vaudrait peut-être le coup parce que justement, ils se font blesser à l'infini. Alors l'idéal serait qu'ils crèvent pas comme de la merde. Bon. Dernier essai pour cette vidéo. Et après, on verra bien. C'est ça, pour l'arène, enfoiré. Non, c'est bien. Oh, c'est bien, ça. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, t'es enfermé quelque part, tu sais quoi ? Moi, je trouve ça idéal. Moi, je trouve ça absolument, positivement idéal. On n'a pas de bon point de départ, c'est ça le problème aussi. Le centre est pas forcément idéal. Cette rue peut-être, mais il y a trop de gens dans cette rue.
Putain, mais vous sortez d'où? On les a eus. Voilà. Il faut que le Freddy et puis le Jason, ils se mettent au bon endroit. Ouais, c'est bien. Ils sont en train de bouffer tout le monde, ils sont en train de se faire bouffer. Mais c'est bien, là il y a des zombies, là ça rush. Là ça rush, ça mute aussi. Pas mal, on a une bonne horde là qui se profile. Le boss est sorti, très bien, le boss est sorti. Très bien, manger, manger. Mangerbouger.com. Ah! Et du coup, on a une bonne horde qui se profile, mais on a personne pour attaquer James Bond. Ah! Oh, il est mort! Oh, il est mort sur une mine! Oh, le chien! Tous les humains ont été tués. Victoire! Victoire, il est mort sur une mine. Voilà, hein, l'espion qui m'avait infecté. Oh, en même temps, avec des vêtements comme ça, mon gars, comment veux-tu que ce ne soit pas le cas? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Avec cette... Oh, cette ligne de définition, braves gens, ça fait plaisir. Dans tous les cas, victoire totale! Victoire totale, il faudrait que je fasse plus de mines. Utiliser des mines, super. On n'a pas gagné de zombies spéciaux, on n'a pas gagné d'espions super net ou quoi que ce soit. Fais-le, reviens. Non, il est juste mort. On a buté James Bond. Eh ben putain, 48 minutes, braves gens, où on s'est... poser la question si oui ou non c'était possible. En tout cas, c'est un succès total. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'était Infectionator. La cloche, le pouce vert, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Des bisous et à la prochaine. Oh, et la prochaine fois, nous irons infecter... On est où? Manila. C'est où ça? C'est l'Indonésie? Enfin, ça, c'est l'Inde. Ça, je suis plutôt sûr, c'est l'Inde. Et ça... Singapour. Bah merde alors. Mais Singapour, c'est pas son propre pays? C'est pas une cité-état? La merde alors? Bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, dans tous les cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Super Hentai Raid! Oh là 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 là! On peut battre Super Hentai! C'est ça qui est bon, brave gens. Des bisous et à la prochaine. Allez, zou! Oh.